tellement ça le football que je suis capable de tout faire. On est toujours à l'école Ruisselet à l'ancienne Lorette dans la région de Québec et on commence avec Up Tempo. C'est l'heure de bouger, on se lève debout, on vous montre une chorégraphie super cardio de Zumba. Donc la chorégraphie a 4 blocs, on va partir avec le bloc numéro 1, on va enchaîner avec les autres, puis ensuite on met la musique et vous allez danser avec nous. Donc pour le bloc numéro 1, on va commencer avec un équilibre sur la jambe gauche. Donc on va prendre une grande respiration, on va lever les bras et le genou droit dans les airs, comme ça. Ensuite, on va se pencher vers l'avant et on va essayer de faire une table avec notre dos et notre jambe. Oups. Et on tient en équilibre comme ça. Ensuite, on revient à la position originale et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, on lève le genou droit, gauche, pardon. Ensuite, on va faire notre table et on revient à une position neutre. Donc, ça, c'est notre bloc numéro 1. Ça va? Maintenant, passons au bloc numéro 2. On va appeler ça le pas de croisée. On va ouvrir avec la jambe droite. On va amener les bras devant. Ensuite, on va croiser derrière avec la jambe gauche en emmenant les bras derrière. On va faire un dernier pas avec les bras devant. Et ensuite, on va venir lever la jambe gauche et le bras droit dans les airs. Même chose à gauche. Devant, derrière, devant. Et on lève les bras et la jambe. Maintenant, on termine le bloc 2 avec des tapes dans les mains. Donc, on prend un pas, on tape, pas, tape, pas, tape, pas, tape. Donc ça, c'est la fin du bloc numéro 2. On l'essaye ensemble? On part à droite. 5, 6, pas croisé. 1, 2, 3, on lève. 1, 2, 3, on lève. On vient taper dans les mains 4 fois. Maintenant, la fin du bloc 2. Là, on va faire le bloc numéro 3. On va l'appeler le shuffle. Vous allez sauter devant avec la jambe droite en premier. Ensuite, changer de bord. Sauter avec la jambe gauche. On va faire 2 fois la jambe droite. 1, 2. Est-ce qu'on l'essaye en sautant? 5, 6, 7, 8, droite, gauche, 2 à droite. Ensuite, on change de bord. Gauche, droite, 2 à gauche. Rendu là, on va croiser la jambe devant et on va venir étirer le bras jusqu'au coin droit. Et on allonge la jambe gauche. Ensuite, on change de côté. On s'en va à gauche. On allonge le bras droit dans le coin et on étire la jambe droite. On recommence à droite et on finit à gauche. Ça va? Maintenant, on recule avec le choc full, puis on retourne faire les mêmes bras ensuite. Donc, on recule. Droite, gauche, droite. Droite, gauche. Droite, gauche. Gauche, on vient s'étirer dans les coins 4 fois. Êtes-vous correct? Ça, c'est la fin du bloc numéro 3. On va laisser ensemble pour faire une petite révision. Donc, on commence avec les chauffe-eau en avançant. On étire les bras dans les 4 coins, le chauffe-eau en reculant, et on s'étire une dernière fois dans les 4 coins. On l'essaie. 5, 6, 7, 8, 1, 2, shuffle. Maintenant, on s'étire. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'étire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et maintenant, vous êtes prêts, vous avez pris les 4 blocs. On part ça avec la musique et Aymeric, on te suit. On continue avec moi et on met la musique. Respiration. Et on descend. C'est bon. On change de jambe, on respire et on descend. Préparez-vous, pas croisé à droite, ensemble. Pas croisé, hey! Pas croisé et on fait des mains. Hey! Encore pas croisé, pas croisé, hey! Pas croisé, hey! 1, 2, 3, 4, shuffle ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les bras dans les airs. 1, 2, 3, shuffle arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les bras dans les airs. Et on revient à la respiration. Et on descend. On fait une table. On recommence. Pied gauche. Dans les airs. Et on fait la table. On recommence, pas croisé ensemble. 7, 8 et 1, 2. Hey! Pas croisé, on clap. Vous êtes super bon la gang, on continue. Pas croisé. Hey! Pas croisé. Hey! Et on claque. Des mains. Shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras dans les airs. Woo! Hey! Il fait chaud! Encore shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bras dans les airs. 1,
3, pas croisé, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, et on claque. Pas croisé encore, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et on claque. On se prépare pour le shuffle, et 1, 2, et 5, main dans les airs. On continue, shuffle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les mains dans les airs, 1, 2, 4, et on va respirer ensemble, 1, 2, 3, 4, et on descend. On se prépare pour le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le crabe. 1, 2, 3. Le crabe. On vient rouler. 1, 2, 3. On roule. Les bras dans les airs. 1. Mes genoux. On continue. On fait tous les genoux ensemble. 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Et on retourne à la respiration. On prend une grande respiration et on relaxe. Qu'est-ce que tu fais? Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est l'heure de la dictée! Mimez! Bon, ben c'est super simple. Ce que vous avez besoin de faire, c'est m'imiter! Vous êtes prêts? Thématique aujourd'hui, on fait l'épicerie! Oh! Attention, on met notre panier et c'est parti. On marche les rangées, on prend des aliments, on prend des choses, on en met plusieurs, on étire les bras. Oh mon Dieu, il y en a un super haut! OK, excellent! Oh, il y en a un en bas, on prend lui en bas. Il y en a un autre en bas, on prend l'autre en bas. Et on avance, on avance, on avance. Oh là, on prend un gros rouleau de papier de toilette. Et voilà, et on continue. Et là, le panier devient de plus en plus lourd. Et là, le panier est très, très lourd. Et là, on entend le message. Oh, oh mon Dieu, c'est l'épicerie qui va fermer. On se dépêche. On arrive à la caisse et là, on met les aliments. On met les choses sur le tapis. Ouais, la caissière est pas là. Mais voyons donc, on fait la caissière. Attention, prends un aliment. Mets l'aliment. Mets l'aliment là. Prends ça. Mets ça. Vite, on allonge les bras. On allonge les bras. Ouh, 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 faut que je l'emballe. Ah, les portes fermières, on a réussi! Yeah! Ah non, j'ai oublié la moutarde! Ah! Bon, tout est barré. Ben, je reviendrai demain. OK, bye! Et où j'ai mis mon char, moi? La tortue trottait sur un trottoir très étroit. 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 Oh, c'est trop facile. Je pense que je vais essayer à l'envers. Oh, les airs, À l'école Ruisselet, Madame Vicky fait de l'improvisation avec sa classe. Ses élèves nous ont préparé une petite capsule qui va vous faire bouger. C'est parti! Je suis avec 6 élèves de 6e année de l'école Ruisselet et on va faire de l'impro cardio et vous devez participer avec nous. Le concept, vous allez devoir faire des jumping jacks sur de la musique et dès qu'elle s'arrête, vous allez devoir improviser un mouvement selon le thème qui est lancé. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! On commence le jumping jacks dans 3, 2, 1. La première improvisation sera inspirée du patinage artistique. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On refait des jumping jacks dans 3, 2, 1. Deuxième impro, tu t'inspires de la neige qui tombe. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. On recommence à sauter dans 3, 2, 1.
parler maintenant du ski de fond. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Tu ressautes dans 3, 2, 1. Quatrième improvisation, tu t'inspires de la luge. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Tu ressors dans 3, 2, 1. Dernière improvisation, tu vas faire du ski alpin. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé dans 3, 2, 1. Bravo! Savais-tu que pour faire avancer une automobile de 100 km, soit la distance entre Québec et Trois-Rivières, il faut l'oxygène que produit un arbre pendant toute une année? Maintenant, tu le sais. On termine l'émission avec un retour au calme qui s'appelle le pan. Donc, pour ce faire, on va aller s'asseoir sur notre tapis, tout le monde, avec les jambes bien tendues devant nous. Et là, comme vous savez, un pan, des fois, là, ça fait un éventail avec sa queue. Donc, on va faire la même chose, mais avec nos jambes. On va les ouvrir. On va placer nos mains au centre, comme ça, avec les mains bien à plat. Et parfois, ça fait des parades, des pas. Hein? Donc, ça montre ses plumes. On va faire la même chose avec nos bras. On les lève doucement. Et on va continuer à les lever. Lentement. Et lorsqu'on est rendu en haut, on va prendre de grandes respirations trois fois en fermant les yeux. Donc, on y va. Respiration. On ouvre les yeux, on redescend les bras doucement vers le sol et on va répéter ce mouvement-là encore une fois. Donc, on va refaire notre parade. C'est parti, on lève les bras, lentement, puis on continue à les monter plus haut et encore plus haut. Rendu ici, on reste immobile et on prend trois grandes respirations en fermant les yeux. Dernière respiration. On ouvre les yeux et on rebaisse les bras doucement jusqu'au sol. On referme nos jambes, on se dégourdit, on se met à l'aise. Bravo tout le monde, vous avez bien fait ça. Et c'est déjà tout pour nous aujourd'hui, mais on vous revient demain avec une capsule de la minute à la prise autour du feu et un devinoton. On va voir si les élèves de l'école Ruisselet sont bons au yoga. Est-ce que t'es bon au yoga? Ouais.